Coucou tout le monde, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de la boîte d'Hortense. La boîte d'Hortense est une nouvelle box belge qui existe depuis 3 mois et sa particularité c'est que c'est en fait deux box. Donc il y a la première box qui est une box, une boîte de thé avec des thés différents à découvrir chaque mois. Et la deuxième box, c'est une box bien-être composée de produits de beauté, de petites choses gourmandes à déguster et aussi en général un thé. Je suis habituellement abonnée à la box bien-être, mais ce mois-ci, il y a eu une petite erreur d'encodage et du coup, j'ai reçu la box d'été. Alors, c'est une box qui ne m'intéresse pas du tout car je ne bois jamais de thé. Mais je me suis dit qu'avant de l'échanger pour recevoir ma box bien-être, c'est la bonne occasion pour vous faire une petite review de cette box d'été que vous ne verrez que ce mois-ci. Voilà. Alors, la boîte d'Hortense, vous avez déjà pu voir une review sur le blog le mois passé de la box de novembre. Je vous remettrai bien sûr le lien. Et cette fois-ci, je vous montre en vidéo la box d'été. Donc c'est une boîte cylindrique en carton bien épais, bien solide. C'est une présentation plutôt soignée qu'on ne retrouve pas souvent dans les box. En général, ce sont des box, des belles boîtes. Ici, c'est cylindrique. Au-dessus, vous avez un petit nœud, mais il ne faut surtout pas tirer dessus, sinon vous allez le casser. Vous avez le logo, donc c'est Hortense, le design d'Hortense. Hop, ici. Voilà, on voit. Derrière, vous avez le mot des deux créatrices, Marine et Bérénice. Voilà. Et alors, pour l'ouvrir, comme je vous disais, il ne faut pas tirer sur le nœud, sinon vous allez le casser et vous allez aussi casser le dessus. Il faut tourner et tirer. Hop, tourner et tirer. Parfois, elle est très résistante. Hein. Cette fois-ci, ça va. À l'intérieur, vous avez bien sûr le thé. Mais vous avez aussi le traditionnel menu explicatif. Donc je me rapproche pour que vous voyez mieux. Voilà le petit mot, le menu. Le menu des clients avec la présentation de chaque produit qui se trouve dans la box. Et alors ce mois-ci c'est aussi donc la box de décembre. Donc une box de fête. Bien sûr il y a les vœux. Hop, les vœux, ah voilà. Et il y a aussi des petites fiches, donc ça c'est la fiche du thème, vous voyez Joyeux Noël. Vous avez la mini fiche, comme ça c'est la box d'été, vous avez la mini fiche de la présentation de la box bien-être. Toujours aux couleurs, des couleurs festives de Noël. Voilà, et ce qui est très original, c'est que vous avez aussi des petites fiches avec des conseils ou des recettes rédigées par les blogueuses qui sont partenaires de cette box. Dans la box que j'ai eue le mois passé, donc qui était la box bien-être, on avait des fiches en néerlandais et en français. Donc en Belgique, on parle plusieurs langues, dont le néerlandais et le français. Mais ce mois-ci, je ne sais pas si c'est une particularité de la box d'été, mais ce mois-ci, il n'y a que des fiches en français. Voilà. On a par exemple la blogueuse de Cherry Blossom qui donne un petit conseil ici. Un conseil beauté. On a une recette de noix de Saint-Jacques gratinée au spéculoos d'Andoy de la blogueuse de Croque-Mou. Voilà. Et aussi un DIY avec des séquins, donc ça aussi dans cette période, pour cette période-ci, le blog How To. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ça c'est le petit truc pour ouvrir la boîte convenablement, donc comme je vous disais en tournant. Donc on va ouvrir cette boîte. Alors moi je vais suivre le menu. On va commencer par un bol de thé qui est en céramique. Je vais me rapprocher. Vous
Voilà, un bol de thé en céramique. Voilà. Il était bien coincé. Qui vient de... attendez que je regarde mon menu. L'atelier Ose la Terre. Alors, l'atelier... Voilà. Avoir plus d'infos sur oselaterre.be. Voilà. Un joli petit bol. Ensuite, on a... Je tire... Alors, un sachet de thé de... un grand paquet de thé de... L'heure bleue, le temps du thé. Thé de Noël, la route des anges. Alors, tisane bio, rooibos. C'est quoi? Cannelle, gingembre, bergamote, pêche, abricot, fenouil, vanille, écorce orange. Un petit moment de douceur, de bien-être, rien que pour vous. Voilà. Et c'est un magasin qui se trouve à Bruxelles. Voilà, alors je regardais en vitesse si on voit plus d'infos là-dessus. Donc j'ai dit que c'était l'heure bleue, l'heure bleue, l'heure bleue. Ah, l'heure bleue est là. Madame Bijoux et Monsieur Thé. Donc je pense que c'est un magasin qui vend des bijoux et aussi du thé. Deux univers qui cohabitent tout en contraste et harmonie. Muriel et ses bijoux, Olivier et ses thés. Le pari fou de faire de nos passions notre métier. Voilà. Pour se câliner, lever dans un plaid. Voilà. Donc ça c'est le thé. Ça sent bon, hein. Toute la boîte quand on l'ouvre, elle sent très très bon. Ensuite on a, là c'est assez gros, c'est une boîte en osier avec du thé à l'intérieur, du thé noir de 100% équitable. Voilà, de 100% équitable. Je ne l'ouvre pas vu que je le rends. Mais c'est du thé noir Ceylan, arôme naturel de bergamote, produit issu de l'agriculture biologique et issu du commerce équitable. Donc voilà, c'est, et je pense, il me semble que c'est une marque belge, mais je ne saurais pas vous le dire formellement. Ah non, c'est une marque française, enfin non, c'est une société française. À l'intérieur, il y a 20 sachets. De thé, voilà, et derrière tous les logos fair trade, etc. Et ça vient du Sri Lanka, je vois aussi. Voilà, donc ça, c'est un gros truc de la box. Ensuite, on a ça, je l'ai fait. Alors, voilà, ça, c'est là encore un sachet de thé, un peu plus petit que l'autre, non, plus ou moins le même, plus ou moins le même, ouais. Voilà, à mon avis, c'est un peu plus petit à l'intérieur. De la boîte d'Hortense, alors c'est la tisane de Francis. Aux ingrédients, c'est pommes séchées, hibiscus, quartier d'orange, papaye confite, fleurs d'oranger. Et alors, c'est un mélange réalisé par Hortense, c'est sous le nom la tisane de Francis, mais c'est des petits goûts sélectionnés et mis en sachet par Hortense, donc c'est vraiment un goût original. Le mois passé dans la box bien-être, j'avais déjà la tisane de la grand-mère de la grand-mère de Hortense, et cette fois-ci c'est de Francis. Voilà. À mon avis, ça va être récurrent et c'est d'autant mieux vu son originalité de ce produit. Alors, et pour finir, dans cette box de thé, on a quelque chose à manger, des spéculoos. Alors, les spéculoos, c'est un aliment beaucoup mangé en Belgique, un aliment traditionnel. Ceux-ci viennent d'une entreprise de Bruxelles, des spéculoos moulins de la maison d'Andoy. Voilà. Et vous ferez rapidement le rapprochement avec la recette que la blogueuse de Croque-Mou a fait, donc qui était noix de Saint-Jacques gratinée aux spéculoos d'Andoy. Voilà, c'est un ingrédient que vous allez utiliser pour faire cette recette. C'est quand même, c'est pas un petit paquet quoi, c'est un moyen paquet, voilà. C'est quelque chose qu'on mange beaucoup en Belgique, surtout en ce moment pour la Saint-Nicolas. Je sais qu'on ne le fait pas en France, mais que ça se fait aux Pays-Bas et en Belgique et dans d'autres pays. Mais voilà, c'est vraiment traditionnel de chez nous. Voilà. Voilà, donc vous avez vu le contenu de toute de cette box. Vous avez deux sachets de thé sous ce format, deux paquets de thé sous ce format.
Vous avez le bol de thé en céramique de Bruxelles, le spéculoos à manger avec votre thé ou André Saint-Jacques et les thés de 100% équitable. Voilà. Vous avez les fiches conseils recettes réalisées par les blogueuses. Et comme ça, vous avez vu l'entièreté de cette box que je vais donc remettre à Marine qui m'apportera en échange ma box bien-être. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la box Hortense? Donc, comme je vous disais, c'est une box nouvelle qui existe depuis seulement 3 mois. Ce n'est pas réservé à la Belgique. C'est d'autant plus intéressant pour la France car, comme vous aurez remarqué, c'est souvent des produits de Belgique. Donc vous avez vu les spéculoos ou différents thés, mais c'est aussi pareil pour la box bien-être. Le mois passé, il y avait aussi plusieurs produits de Belgique, aussi très souvent naturels, bio, équitables, donc quelque chose de plutôt sain. Elle est vendue dans plusieurs pays, dont la France. Son prix, si je ne me trompe pas, c'est 22€. C'est sous abonnement. Vous avez le choix entre un abonnement d'un mois, deux mois, trois mois, six mois, ou encore, si je ne me trompe pas, de 10 mois plus un mois gratuit. Et le petit plus, mais pas négligeable, c'est que chaque fois que vous achetez une box de la boîte Hortense, 1€ est donné à une association caritative que vous pouvez choisir au moment du check-out. Donc vous avez, il me semble, 4 associations au choix et vous pouvez choisir celle que vous voulez et 1€ lui sera reversé. Donc c'est très bien. Et la box, pour le moment, le délai est plutôt rapide, je trouve. On les reçoit dans des bonnes conditions et rapidement. Voilà, ça arrive dans une boîte en carton par un transporteur. C'est important de savoir que c'est un transporteur si jamais vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Ce que je peux vous dire encore, c'est d'aller voir sur le site d'Hortense. Je vais aussi vous mettre le lien de sa page Facebook. Le lien de ma précédente review de la box bien-être et la semaine prochaine, comme j'aurai normalement ma box bien-être, je vous ferai aussi une petite review en vidéo. Sur le blog, je posterai les deux vidéos ainsi que quelques photos de détails des deux boxes. Comme ça, vous pouvez comparer les deux pour ce mois-ci, c'est toujours plus intéressant avant de se lancer dans ce genre d'achat. Mais en tout cas, que ce soit la box bien-être que j'ai déjà reçue 2 fois ou la box de thé, ça me paraît vraiment une box très très intéressante qui mérite d'être connue et avec un prix plutôt attractif. 22€ avec les FDP, c'est très attractif et c'est surtout une box de qualité. Vous pouvez le voir rien qu'en regardant la boîte, c'est vraiment quelque chose de soigné et c'est ça, c'est très important en ce moment. Voilà. Avec le choix de box qu'il y a, c'est vraiment une box que je recommande et que j'espère va durer longtemps. Voilà. Voilà qui termine cette review. Je vous retrouve bientôt sur le blog, mais aussi en vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos remarques. J'essaye de vous répondre rapidement. Si vraiment c'est très 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 urgent, je préfère que vous m'envoyez toujours un mail. Voilà. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve bientôt. Bye bye.